Dernier passage, c'est peut-être le plus important pour cette journée des championnats de France. La grande et belle brune Isabelle Severino, qui nous avait déjà séduite l'an passé, va s'attaquer à son morceau d'anthologie, le sol. Elle est belle, elle danse et elle exécute tout cela dans une harmonie corporelle exceptionnelle. C'est le travail encore carpé, très bien exécuté. Attention, rondade flip et double vrille et demi. Et voilà qui est fait pour Isabelle Severino pour devenir champion de France pour la première fois. Il lui faut obtenir une note minimum de 9,375 et ce sera, je pense, très très facile. Allô, mon cher Michel. Voilà. Oh. Voilà, je suis en compagnie de la future championne de France, on peut le dire, Isabelle. Je sais pas, on verra bien la note. Bon, alors on regarde rapidement les ralentis, regardez, c'est superbe hein, ce que vous nous avez réalisé aujourd'hui. Oui, enfin, j'ai fait ce que je fais d'habitude. Vous êtes encore un peu essoufflé parce qu'une minute trente de gym au sol, ça épuise. Hein. En effet, ça épuise beaucoup. Surtout, juste quand on vient juste de finir, là c'est vraiment très épuisant. Ça vous plaît ce qu'on voit avec la grande caméra au-dessus? En fait, j'ai pas souvent l'occasion de me voir sous ces angles-là. Alors, c'est bien. C'était beau, hein? Moi, je peux pas trop juger parce que je me vois assez souvent et je me... je peux pas trop savoir. Alors, dites-moi, Isabelle, c'est votre premier titre de championne de France. Vous êtes la plus âgée de l'équipe, hein, on peut le dire, la plus mûre, en tout cas. Pas la plus âgée, étant donné qu'il y a Cécile et... Oui, 6 mois près, 15 ans. Oui, 15 ans. Et j'allais dire beaucoup de tempérament, beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition. En effet, parce que ça fait plusieurs temps que j'étais abonnée à la troisième place. Alors là, ça me fait très plaisir de remonter un petit peu, de changer le cours des choses. Qu'est-ce qui a changé dans votre tête depuis les championnats de France l'année dernière où vous aviez été un petit peu dépassée par les petites? Aujourd'hui, c'est une grande qui gagne. Si vous voulez, on s'est beaucoup entraîné pour les championnats du monde et je pense que c'est la continuité de beaucoup de travail qui est toujours aujourd'hui. Écoutez Isabelle, je vous félicite au nom des téléspectateurs qui ont suivi votre concours et puis on peut dire qu'on va se retrouver à Atlanta, vous serez le chef de file. Hein. J'espère. De toute façon, il n'y a aucune préférence. C'est toutes les filles qui font leur maximum et donc on est toutes ensemble, une équipe bien soudée. Vous avez toujours envie d'être journaliste? Oui, toujours. On verra ça plus tard. Au revoir.